Bonsoir, c'est Zéphrine de Diaspora. Ça va bien? Bon, l'Indien perdu dans la forêt, avec sa pelle magique, il va creuser un trou, il va mettre quelque chose dans le trou. Tu regardes, j'essaie d'aller vite, mais je sais pas, je n'ai pas beaucoup de batterie. Donc si tu arrives à me suivre sans être coupé, c'est trop mieux. Il faisait trop chaud aujourd'hui, je n'ai beaucoup travaillé, ouais, j'ai fait le travail de la sieste. Attends, il y en a un train qui arrive. Bon, je commence à creuser parce que sinon la bande, la pellicule, il n'y en a pas beaucoup. Bon, à tout à l'heure. Hein. Bon, alors, on va creuser où? On va creuser ici. Ça me semble être un très bon endroit. J'essaie de ne pas se casser la figure. Hein. On va planter un arbre. Bien de planter des arbres, parce que c'est la planète. Il n'y en a jamais assez des arbres. Les arbres, c'est très bon pour la santé de la planète. Et c'est très bon pour nos poumons qu'on plante des arbres. Et ouais. On va essayer de faire. Chacun doit faire le poumon de la planète dans son jardin. Ah, il ne faut pas attendre d'aller en Amazonie pour avoir des arbres. Hein. Parce que sinon, étant donné que c'est la déforestation, ça va en être la débandade. Les gens, ils creusent, ils abattent des arbres pour trouver de l'or. Pour faire des centrales nucléaires, des barrages, pour arrêter l'eau, pour récupérer l'énergie de la force cinétique de ce qu'on appelle l'eau. Ils font de l'aqua électrique. Ah, ils rasent les forêts. Eh bien, comme ils rasent les forêts, nous, on se cache et on replante des forêts. C'est ce qu'il faut faire dans la vie. Il faut embêter les gens qui font des bêtises. Les assassins qui tuent les arbres, il faut remplacer les arbres. T'as compris? Enfin, si tu peux. Hein. Parce qu'il faut avoir une pelle. Ou alors une bonne terre qui permette de faire des trous sans effort. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Je ne suis pas un ange, mais j'essaye quand même de faire naître des élémentaires. Et oui. J'écoute le train passer. J'écoute le train passer, c'est pas la plus belle musique de la vie. Donc je disais, avant que le train sec y passe, c'est pas la plus belle musique de la vie. Écoutez le train passer. Mais au moins, quand tu fais ça, tu fais pas de bêtises. Ah, ah là là, quelqu'un m'a dit, c'est mon téléphone. Zéphri, t'es trop fort. Moi je suis pas fort. On m'a dit, Zéphri. C'est trop bien parce que plus les vidéos elles sont longues. Attends, le train passe. Je dérelaise le reste des messages. La gentillesse des gens, des personnes. On m'a dit, plus tes vidéos elles sont longues, comme t'es un gars sympa, et ben plus tes vidéos elles sont longues, ça fait comme si on passait plus de temps avec toi. Et donc ça fait plaisir. J'ai dit ah bon. Eh ben, c'est vrai, moi aussi ça me fait plaisir qu'on me dise ça. On me dit ouais, tu fais une vidéo d'une heure, 45 minutes, c'est très bien. Même s'il n'y en a pas beaucoup de gens qui regardent. Mais au moins je sais que il y a quand même des gens quand ils regardent, même s'ils n'ont pas nombreux. Ils se disent ah j'ai fri. Ils se disent oh, c'est comme si on était avec toi. Bah moi je suis content. Si on aime ma compagnie comme ça. Moi je suis très content. J'approuve. Bon, donc il y en a qui prouvent. Et ben moi j'approuve. Je suis d'accord.
J'ai dit amen, amen. Ah là là. S'ils aiment bien être avec moi, on va faire des vidéos longues. Mais il n'y en a plus de batterie, ça va couper. Je vais te montrer avant que ça coupe ce qu'on va planter. C'est un figuier. Et puis dans le trou, tu connais, on va mettre de l'eau, on va mettre des haricots de différentes tailles et des graines de cucurbitacé. Je suis désolé, j'ai pas chargé l'appareil. Là, je vois quoi? Je vois sur l'image parce que j'ai un écran qui me montre le curseur de la batterie. Et il me dit, ça va couper. Donc, je te dis au revoir, je te dis à bientôt. Tu actives la cloche. Avant que ça coupe, tu actives la cloche. Et tu souscris à la chaîne. Si tu veux, tu envoies la vidéo dans un groupe de l'appel ma culture sur les réseaux sociaux. Comme ça, les gens, ils vont voir, ils vont dire, ah oh, tiens, peut-être je vais m'abonner. Peut-être c'est bien, peut-être c'est nul. J'ai chacun ses goûts. Et puis après, plus on est de fous, plus il y a de haricots. Plus on est de fous, plus on fait cuire de riz. Alors, et peut-être qu'un jour on va pousser du riz. Qui sait? On n'a pas l'expérience, on plante des arbres, on plante des haricots et des salades. Mais quand on a l'expérience, peut-être on se met à faire pousser du riz. Donc, tu peux partager si tu as envie. Ne t'inquiète pas si tes amis disent « Ouais, c'est quoi tes vidéos d'huile, tu m'envoies ?» On s'en fiche, on est entre nous. On est content, on s'aime bien. T'inquiète pas. Faut pas te laisser moquer, hein. Et si jamais il y en a des gens qui essaient de t'arnaquer, ou te rebiffer, si les gens se moquent de toi, tu te rebelles. Toujours se rebiffer dans la vie, même si ça rapporte rien. Parce que ce n'est pas les résultats qui comptent, c'est la démarche. Est-ce que la démarche elle est fondée? Est-ce qu'elle n'est pas fondée? C'est ça qui est intéressant. La batterie quand même, hein, j'ai des beaux appareils. Hein. Là c'est un appareil photo, je l'ai mis sur un trépied. Je peux être devant, je vois ce qui se passe derrière. C'est pas comme le téléphone, je peux retourner l'écran, ça pivote dans tous les sens. C'est rigolo quand même, en plus c'est un très bon micro quand c'est un appareil comme ça. C'est vraiment du semi-professionnel. Bon, j'ai pas eu tort, le jour où je l'ai acheté, je l'ai mis de côté. En fait dans la vie c'est comme ça, tu achètes de l'or. Où tu achètes un appareil qui te fait faire des choses que les gens te disent ce que tu fais ça vaut de l'or, et ben t'as fait le bon choix. Tu plantes la bonne graine, tu fais pousser un très bel arbre, t'as fait le bon choix. Même si tu ne trouves pas la bonne femme, mais tu fais des beaux enfants, t'as fait le bon choix. C'est comme ça la vie. Tu fais des choix et tu sais que ces choix ils t'apportent pas la nuisance. Si ça t'apporte pas la nuisance, alors est-ce que le trou est assez large? C'est assez large, donc je vais pouvoir mettre mon figuier ici. Tu auras vu à peu près avant la fin de la vidéo à peu près comment ça va donner. Je vais mettre mon figuier ici. Et puis on va s'amuser. Ça c'est à partir d'une branche que j'ai fait ça. Ça fait 2 ans la branche elle est plantée dans le pot. Et maintenant, c'est bon à planter. Hein. Donc, je vais planter ça. J'en ai planté un autre un peu plus haut. Je crois que quand les deux ils vont pousser, je vais les attacher ensemble. Après, on va faire torsader ça. Et ils vont faire comme des amoureux. Deux figuiers à tortiller. Ça va faire comme ça, ça va faire comme ça, ça va faire comme ça. Ça va grimper, grimper, ça va faire des fruits après. Et comme les fruits ils se ressemblent, des deux figuiers, à peu près les mêmes, mais c'est pas exactement pareil. On va avoir des fruits qui vont faire à peu près cette taille, comme ça. Et il va y avoir des fruits, c'est déjà pas mal. Hein. Et il va y avoir des fruits aussi qui vont faire carrément cette taille-là. Mais ils se ressemblent presque pareil. Donc, c'est pas la variété, mais c'est presque pareil. Bon, j'ai creusé un peu trop profond là. Je vais remettre un tout petit peu de terre au fond. Ah ben non. C'est pas la peine. Parce que comme je vais mettre des haricots,
Ça va prendre de la hauteur. Allez hop. Et allez go. Hop. Ça fait quelques centimètres en plus. Allez hop. On va mettre un petit peu d'eau. Allez hop. Cherche un solo. Je reviens. Je suis à toi dans quelques secondes. Oh, je vais tomber. En plus, quand j'aurai chargé mon appareil, de la batterie qui est vide là, aïe, j'ai mis de l'eau dans ma chaussure. C'est pas grave, il fait chaud en ce moment.